Bienvenue dans la session 0 de du pour les engager. Cette aventure écrite par Tristan Lhomme et pour laquelle nous serons un maître du jeu et un joueur. Donc un setting un peu original et spécial, puisqu'il faudra jouer un groupe d'enquêteurs-enquêtrices, mais avec un seul joueur. Et je ne suis pas encore euh, bipolaire ou tripolaire ou quadrupolaire, donc il va falloir trouver des astuces. Notre particularité aussi avec cette session zéro, c'est qu'on attaque par rapport à nos habitudes un thème qui est un peu plus sensible sur certains sujets. Donc, nous allons prendre des précautions et ne pas aborder de façon détaillée certains aspects de l'enquête ou des descriptions des crimes qui auront pu avoir lieu. Chacun sera libre d'imaginer les horreurs qui peuvent surgir. L'aventure contenant des thèmes un peu sensibles puisque c'est une enquête policière avec des crimes sordides, nous ne rentrerons pas dans les détails de ces crimes, juste ce qu'il faut pour l'aventure. Euh, un autre point à discuter entre nous durant cette session zéro qui amènera à la création ou la finalisation du personnage de mon comparse, c'est de parler un petit peu du, du système de jeu, qui là aussi a été une nouveauté pour, pour nous. Donc si tu as, si as des questions, n'hésite pas à mon cher comparse. Eh bien, il va falloir m'expliquer. Donc le système de jeu, il est très simple. Je ne lancerai pas de dés. Ouh Yes Rien que ça, c'est un bon point. Tout est dans les mains du okay. destin du joueur. Je te venge de Spy Game où j'ai pas lancé un jet pendant toute une saison. Non, c'est okay. les bons okay. systèmes de jeu, en fait. C'est vraiment dans les mains de, <laughs> des joueurs et joueuses. C'est un système du Cthulhu Hack par les douze singes. Et le principe, c'est... Ça reprend donc... Euh, deux types de G, c'est les ressources et les sauvegardes. Les ressources, c'est les actions, donc la capacité à interroger une personne, par exemple, ou bien une capacité à aller repérer, découvrir quelque chose, la capacité à obtenir des faveurs de ses collègues ou de ses supérieurs, sa santé mentale et la santé du personnage. C'est ce qu'on va appeler des ressources. Quand on voudra les utiliser, ces ressources, elles sont définies par un, un dé, ça va de D12 à D4. Donc on lance la valeur du dé, donc si on a un D12, on lance un D12. Si on fait 1 ou 2, la ressource elle est épuisée et on passe au niveau de dé inférieur, donc ça sera un D10. Ce qui veut dire que dans ce jeu-là, quand on utilise ces ressources, ça réussit. La nuance qu'on peut avoir, c'est que s'il y a 1 ou 2, ça peut entraîner une complication. Mais on réussit son action. C'est vraiment pas le but de... de c'est le but de rester fluide. Et l'autre euh, type de jet, c'est les sauvegardes. Là, c'est dès qu'on fait face à une menace, on va faire un jet euh, de sauvegarde pour se protéger de cette menace-là. Donc là, c'est plus classique dans, le, dans, le, dans notre, nos habitudes. C'est un jet de sauvegarde de force, d'extérité, de constitution, de sagesse, d'intelligence ou de charisme. Avec un lever Avec... Euh, Bon point, tiens. Avec quel enfin, dé Avec quel dé Bon point Oui, c'est un D20, hein. <laughs> tout à fait. Un D20, sérieusement C'est un Save euh, d'Angeouner Oui, oui, c'est un D20. Ouais. Et euh... après, il euh, y a un... Qu'on appelle ça Les points du destin, ça s'appelle les points de fortune dans ce, dans ce système-là. Donc les points de fortune, c'est euh, le joueur ou la joueuse peut placer un jeton fortune sur sa fiche. Ça lui permet de relancer un test de sauvegarde ou de ressources, Et il peut placer, ce joueur ou cette joueuse, deux jetons, s'il en avait zéro, déjà en place, pour réussir cette fois automatiquement un test de sauvegarde ou de ressources qui aurait échoué, ou qui aurait conduit à un résultat défavorable. Donc ça veut dire que comme on a un seul joueur, <laughs> il pourrait y avoir au maximum que deux jets de fortune utilisés, et là, c'est le seul moment où le maître du jeu peut influer certaines actions, puisqu'il peut récupérer ses jetons de fortune pour lui-même déclencher des actions comme euh, ajouter des complications. Le maître du jeu peut récupérer ses jetons pour créer des complications, pour forcer des relances de jeu aussi. Voilà. Ça fait un peu penser au système euh, de Star Wars, c'est ça euh, Avec les, les dés de la force qui sont réutilisés par, ouais. récupérés mmh. par le maître du jeu pour Tout utiliser les dés de, de mmh. la force obscure. Exactement. Donc, ok. Donc, en fait, plus on a de chance, moins on a de chance. Non, parce qu'il ne faut pas voir ça dans ce sens-là. Le but, c'est de créer toujours une histoire dynamique et intéressante pour, pour nous et les auditeurs et auditrices. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. <laughs> et là. Donc, ce concept-là fait que pour les. S'il devait y avoir des combats, en fait, c'est une, oppo... une opposition dans le sens. On affronte une menace. Si le joueur. Donc, euh, si tu réussis ta sauvegarde, c'est-à-dire que c'est toi qui as l'action qui blesse, on va dire, l'adversaire. Si tu rates ta sauvegarde, finalement, c'est lui qui te blesse. Oui, ok. Après, et on, on, est, on va jouer en 2013 en France, dans la région de Bordeaux. C'est du contemporain, pas de trucs exotiques. Et euh, tu vas jouer un, un membre de la gendarmerie, donc soumis aux contraintes de la légalité, des actions euh, techniquement faisables. On n'est ni dans des super héros, ni dans de la magie. Voilà, on est vraiment dans ce contexte-là où, comme quand on joue à Spy Games, on joue avec les règles de la police et de la gendarmerie actuelles, c'est-à-dire que tout n'est pas possible. Et puis on est en France, donc euh, voilà, on sort pas son arme pour tirer sur quelqu'un comme ça, voilà. parce que sinon euh, attention. Est-ce qu'il y a des membres du GIGN dans le groupe Non, par contre, on peut appeler le GIGN pour euh, certaines interventions s'il y a besoin. Ah, c'est cool. Donc, c ça, c'est très cool. Bon, alors. Donc, une équipe de gendarmes à Bordeaux, en 2013. Il y a des smartphones en 2013 Je me souviens oui. plus. il y a des smartphones en, en 2013. Vianore. Tout à fait. Ok. Et euh, donc, euh, la gendarmerie, en tant que membre de la gendarmerie, tu auras accès donc, euh, à la, au monde de la section de recherche en Aquitaine, mais aussi à d'autres euh, points de contact, que ce soit la police, que ce soit effectivement le GIGN s'il si y a besoin de faire euh, d'intervention, d'autres brigades du secteur, les instituts euh, médico légaux soit du coin, soit parisiens suivant le type d'analyse, et, et ainsi de suite. Et bien sûr euh, la justice, qui, avec qui tu, euh, tu dois rendre des comptes. Le parquet, les magistrats du siège. Donc euh, voilà, voilà. Donc il y a sûrement des des éléments que j'utiliserai qui ne sont pas la réalité à 100% parce que le but c'est que bah, j'ai pas de maîtrise spécifique dans, euh, en tant qu'avocat ou autre et puis euh, voilà mais au moins on, on s'amuse et qu'on ait une certaine cohérence et, euh, et réalité quoi et donc nous ce qui va nous ce qui va alors donc, qui, donc pour les pour les auditeurs ce qui va nous différencier de parce que le, le scénario des encagés déjà c'est un très bon scénario euh, mais qui a été déjà joué par d'autres AP, hein. Donc nous, la grande différence, c'est qu'on va passer rapidement sur les détails graphiques Gore. Donc ça, ça a déjà été expliqué. Et euh, un seul joueur, c'est-à-dire qu'un seul personnage interprété à un moment. Donc euh, ça va être très très différent en termes d'interactivité. Euh, mais dans une région qu'on connaît déjà pas mal. Est-ce qu'on a des motos Est-ce que c'est des gendarmes euh, style en, en, en tenue euh, un Moto, c'est quel type de gendarme d'ailleurs? Parle-nous de ce groupe de, de personnages de cette campagne. Donc, donc, L'équipe d'enquêteurs est, est composée en fait au maximum de cinq personnes qui seront potentiellement tout le temps là, enfin ponctuellement là, ou ainsi de suite. Donc il y a deux capitaines, deux lieutenants et trois lieutenants, pardon. Et ce sont des euh, gendarmes tout à fait ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en voiture. Peut-être que certains ont une moto, mais dans ce cas c'est plus personnel que de fonction. C'est tout à fait euh, le gendarme euh, du quotidien qu'on peut croiser euh, en 2013 à l'époque. Donc pas de course-poursuite à moto. Non. Donc est-ce qu'ils sont en tenue ou est-ce qu'ils sont pas en tenue Ils sont tenus. Ok, d'accord. Dans la majorité des cas, c'est une intervention euh, de gendarmerie, donc en tenue, avec euh, les différents mandats qui vont bien, et euh, les différents... Euh, Membre de l'équipe de la gendarmerie dont il y a besoin pour, pour faire les, le travail de relevé, d'échange, de, de collecte d'informations et tout ça. Cool. Et en plus, effectivement, c'est un secteur qui est intéressant pour nous parce qu'on connaît un peu et qui change des euh, crans de position comme autour de la région parisienne. Ou, voilà. Donc, c'est sympa. Donc, le, effectivement, on essaiera de, donner, de faire vivre notre, cette région-là de viticole, de loisirs balnéaires. Plein de plaisir et notamment la chocolatine, hein, s'il vous plaît, de la, le... -Catherine. de la rue Sainte-Catherine, de la rue Sainte-Catherine, et pas et pas un peu en chocolat que vous payerez sûrement beaucoup plus cher si vous osez le <rire> demander. <rire> si vous en demandez hein. euh, donc là il y a des prêts tirés. Donc euh, ce qui a été extrêmement bien fait dans, ce... dans cette aventure euh, par Tristan L'Homme, c'est tous les, euh, les supports, euh, les aides de jeu qui sont fournies. En format aussi pour les tables virtuelles. Donc, on a des fiches de personnages qui sont déjà accessibles et on va les personnaliser, en tout cas pour le personnage central que tu vas choisir, cher comparse. Si tu parlais des personnages. Alors, un point intéressant aussi par rapport au point de règle, on dit que les ressources sont épuisées Et donc, une façon de récupérer ces ressources, c'est de se reposer avec un bon week-end, parce que ce sont des êtres humains tout à fait classiques, hein. ils travaillent leurs horaires habituels, pas... ou alors s'ils font la fiesta la nuit, ils ont du mal la journée le lendemain. Et une autre façon de gagner des ressources aussi, c'est de se confronter à son quotidien et à ses difficultés, parce que la vie de gendarme a des difficultés, puisqu'on passe quand même sur le terrain dans des conditions de travail ben, on voit des crimes. Donc on peut avoir des difficultés à la maison personnelle, et quand on les affronte, ça nous permet de gagner des ressources. Euh, donc oui, parler des personnages. Alors, alors euh, nous avons le capitaine Alain Tellier. Il a un parcours de journal tout à fait euh, classique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce qu'il a un loisir? Non, tu peux choisir les loisirs. Par contre, il est donc dans les points du, de sa vie, c'est il est marié depuis 17 ans à Marie, une enseignante, et il a deux fils, Antoine et André. Antoine, qui a 15 ans et a du mal à l'école, et André, qui est intelligent et vif. Et André aura dans quelques jours son anniversaire. Voilà. Il aime la vie. Il aime la vie. D'accord. Après, ce qui est noté aussi dans la fiche de chacun, c'est certaines vues, enfin, comment, perception des autres membres de l'équipe, en fait. Donc, je ne vais pas les détailler, c'est le toi de l'utiliser. Mais voilà. Mm -hmm. Après, vous avez un autre personnage qui peut, euh, qui peut être aussi le capitaine, donc c'est le capitaine Daniel Brochard, donc il est un peu plus âgé, donc il a 57 ans. Il a commencé euh, sur l'uniforme à la circulation, il a lui monté toutes les étapes. Il est plutôt très terrain et euh, très peu tout ce qui est lié aux technologies et tout ça. Il est marié avec Nadine. Leurs enfants sont assez grands, ils ont, et ont des, donc ils ont des petits-enfants, donc il est grand-père. Par contre, il a une liaison avec Anaïs. Une jeune infirmière. Après, nous avons donc les trois autres lieutenants. Même, c'est pareil, ça fait une équipe un peu grosse, mais c'est pour donner plus de marge et de, et de choix possibles aussi dans l'aventure. Donc, il y a Caroline Joss à la trentaine. Donc, elle vient d'une famille de militaires. Elle n'est pas du tout du secteur. Euh, ce qu'elle aime beaucoup, c'est suivre la procédure. Elle est très rigoureuse. Elle n'aime pas trop les policiers parce qu'elle sort d'une histoire douloureuse avec Théo, un policier parisien. Voilà. L'autre personnage, c'est le lieutenant Aurore Huard, même âge que, que Caroline Joss. Donc, elle vient d'une famille bourgeoise. Elle a fait étudier la science du comportement. Et elle se voit gravir les échelons et même aller faire un stage au FBI si elle a la possibilité. Donc, elle, ce qu'elle aime beaucoup, c'est justement l'analyse du comportement. Donc euh, dans sa vie, ce qu'il y a de particulier, elle a un vieux chat qui s'appelle César et pas trop de relations euh, personnelles. Elle, en fait, elle fait surtout elle retrouve les amis de son frère Mathieu. Voilà. Nous avons pris le lieutenant Kader Messali, qui est un peu plus jeune, donc il est le dernier membre de l'équipe, qui est c'est le plus jeune qui a 25 ans. Donc euh, ils viennent de la région parisienne. Lui, ce qu'il aimerait, c'est plutôt finir. Donc, il aime beaucoup le terrain et plutôt essayer d'intégrer le GIGN plus tard. Il aime bien se débrouiller dans tous les domaines. Donc, il est fiancé avec Léa et ils vont bientôt se marier. En faisant un mariage catholique et musulman avec 200 personnes. Et il s'inquiète pour sa grand-mère qui a une santé déclinante. Donc, maintenant, il faut choisir un personnage et que tu le finalises. Mmh. Alors. Euh... En fonction des personnages qui sont euh, disponibles, je pense que je vais plus m'orienter vers Aurore Huar. Mmh. Et ce que je dirais, c'est qu'elle elle sera la capitaine et que même si c'est la plus jeune, en fait, elle est très prometteuse et donc c'est pour ça qu'elle a été nommée euh, à cette occasion comme, depuis récemment comme capitaine pour faire ses preuves. Et que les, les deux anciens, les Paul. C'est ça, qu'elle a accompli quelque chose euh, récemment. Qu'il a, qui a qui lui a permis d'être promu au rang de capitaine, mm -hmm. comme euh, quand même qui est étant donné que ses capacités spéciales sont orientées autour de l'analyse de la criminalistique, de la psychologie, donc mm -hmm. euh, donc quelqu'un qui, euh, qui qui travaille sur la compréhension humaine. Donc, mm -hmm. ce qu'il faut faire. Tu as six points que tu peux ajouter au score de sauvegarde de ta fiche. Tu ne peux pas avoir plus de 16 dans un score de sauvegarde. D'accord. Donc, dans les sauvegardes actuelles, euh, force 14, dextérité 10, constitution 10, sagesse 16, intelligence 14 et charisme 15. Bon, c'est quand même pas mal orienté sur euh, la sagesse, intelligence et le charisme. Hein. On la force est peu, pas mal genre, quand même. Peu... Eh, la force est pas mal, 14, puisque le jet de sauvegarde, c'est lancer un D20 et faire moins, moins de sa valeur. Donc, 14, c'est pas mal. Ok, d'accord. En fait, les scores les plus faibles, c'est dextérité et constitution, quoi. Donc là, le choix, c'est soit augmenter une caractéristique déjà force, forte pour euh, la rendre encore plus forte, soit faire un personnage polyvalent en renforçant les caractéristiques faibles. Et donc, euh, bien évidemment, euh, renforcer les l'expertise, donc les caractéristiques fortes, ça marcherait super bien dans un groupe. Mais quand t'es tout seul, euh, sachant donc, que euh, tu as pas forcément toi... le choix mais tu pourras déléguer euh, peut-être là où tu as le moins de, de faiblesses à d'autres, puisque l'idée c'est que quand même tu ne sois pas seul euh, enquêteur euh, ou enquêtrice. Tu vas travailler en groupe, donc euh, à toi de voir. Oui, donc euh, je pense que ce serait mieux d'avoir un personnage qui soit un peu plus polyvalent. Étant donné que j'ai 6 points, je vais rajouter 3 points en dextérité, qui va me faire passer à la dextérité à 13, et 3 points en constitution, mm -hmm. qui va me faire passer ma constitution à 13. Donc résultat final. 14 de force, 13 de dextérité, 13 de constitution, 16 de sagesse, 14 d'intelligence et 15 de charisme. Super. Très bien. Profil totalement... Euh, euh, un profil très euh, orienté pour les leaders de demain de la gendarmerie française. Tout à fait. Est-ce que les ressources changent en fonction des caractéristiques Non. Ok. Les ressources changent quand tu vas progresser. Donc c'est la partie amélioration. Et dans la partie des fiches, il y a une partie capacité spéciale. C'est pareil quand à chaque fois qu'il y aura une progression, une des capacités pourra être sélectionnée. Et théoriquement, à la fin de, de l'aventure, la, de les quatre <laughs> capacités spéciales seront débloquées. Comme on peut voir la partie <laughs> expérience sur la droite. D'accord. Donc là, j'en choisis une, c'est ça Non, zéro, pour l'instant, Zéro, du tout. Ah, d'accord. Oui. Okay. Donc, pour l'instant, on n'est pas spécial. Non. <laughs> on est spécial, normal, mais pas spécial plus. <laughs> d'accord. On n'est pas, on est pas particulièrement spécial. Non. Pour le début, bah, si, vous faites partie de l'aventure. Spécial, ça. Mais oui, non, pas de, oui, tout à fait. Pas bah, pour moi, pour la station zéro, c'est bon. On peut démarrer l'aventure, la... si tu veux. Et voilà, nous sommes prêts à démarrer l'aventure, cette petite session zéro pour discuter des règles, faire le choix du PJ et comment tout ça va se mettre en mouvement. Nous espérons que cela vous a plu. Au plaisir de vous retrouver sur les ondes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site unduorolliste.net et surtout, pensez que vous pouvez jouer aux jeux de rôle en duo, un MJ, un PJ, rien de plus simple. A bientôt!